Ouais. M'avait manqué un peu, non? Vas-y, Ilan, arrête de manquer de respect à ma meilleure amie, la vie de ma mère. On va partir en clash, toi et moi. Attends, je vais arriver à Paris, je vais faire une dinguerie, frérot. Seb, t'es où? Je vais mettre tout mon RSA dans un billet d'avion et la vie de ma mère, je vais te faire une dinguerie, frère. Allô, respecte Seb, Carla, c'est ma meilleure amie. Seb, t'es où? T'es où? Je suis à Miami. Ah merde, putain, c'est la crise, moi. Non, mais j'ai juste. Oh, ah, les gars, il a voyagé en business. C'est 350 balles le billet pour aller là-bas, seulement. Non, t'as voyagé avec en business Frenchie. Non. J'étais pas en business class. Oui. J'étais en économie et j'ai posté un TikTok. Vous pouvez tous aller voir mon TikTok. J'étais en économie. Oh, et alors, c'est pas trop tu sais ce qu'il a fait, Seb? Il a fait l'inverse des autres influenceurs. Il a pris une photo en économie et il est parti voyager en business. La vie de ma mère. Regardez, ça le fait rire. Oh, les influenceurs en général, ils vont faire une photo en business, ils vont voyager en éco. Lui, il va faire une photo en éco et il va voyager en business. Le sale riche. Non, alors je vais vous dire un truc, j'étais bien assis sur mon siège en éco, j'ai filmé, j'étais bien assis, c'était juste avant le décollage, donc je n'ai pas pris la business et je suis pas un menteur. C'est la hess en ce moment, et arrête Ilan de vouloir détruire ma réputation, parce que sinon je vais balancer des dossiers sur toi de malade toi, Ilan, je peux détruire ouais, mais ta carrière. Frérot, t'as déjà balancé la dernière fois que j'avais trompé l'autre, maintenant voilà, moi je te dis... Mais j'ai d'autres cartouches sur toi frérot, j'ai traîné avec toi pendant 3 ans. T'allais pas vous embrouiller. Dans la maison. À la maison. Hey, mais ouais, voilà, Kim, t'as raison. Elle est inspectrice. Tu vis où, à la cape, elle va te choper. Quoi? Comment voilà. Tu vis sur Miami là? Je suis dans la maison de mon pote. Ah, et t'es nourri le jet blanchi? Ouais. Allez, parce qu'il est multimillionnaire. Il s'appelle Ludo. Ok, viens, va voir Ludo. Il faut que je lui parle. Mais c'est chelou. Attends, genre ouais, tu vas venir. Je le connais pas, mais il est là, il est posé. Oh, Ludo, moi aussi c'est la hesse. Tu peux venir? Il veut venir dans la villa. Dis-lui que tu verras. Enfin, dis-lui non. Bah non, c'est mort frérot, désolé. Hein. Ah ouais, et frérot, moi je suis sûr qu'en fait c'est... Tu fais voir ta montre. C'est pas le retour son, j'entends pas. Il dit fais voir ta montre. Audemars Piguet. Il a une Audemars Piguet. Ouais. Allez frérot, il a une belle villa, hein, je vous dis la vérité les gars. Regardez. Non, moi je pense que c'est la villa à Seb. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas ma villa, allez, vous êtes fous. Tu crois qu'il y a plus de place pour le produit?